Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Lance Born. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, allez-y, abonnez-vous et partagez cette vidéo. Ça va permettre à beaucoup de personnes de découvrir vraiment des choses hors du commun. Ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, mes frères et sœurs, si ça n'avait pas été filmé, vous ne le croiriez pas. Ah! Que se passerait-il? Si un jour, à votre réveil, vous apprenez sur les réseaux sociaux ou même à la télévision votre décès alors que vous êtes vivant, comment vous sentirez-vous? C'est ce qui va se passer ici avec une star. Ah! Franchement, vous n'avez jamais vu ça. Incroyable, mais vrai. Suivez-nous. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Mes frères et sœurs, la vie est courte. Et sans cesse agité. Regardez ça. Ce jeune homme regarde vers Dieu parce qu'il est vivant. Mais les gens parlent de sa mort déjà. Les gens ne font que parler de sa mort. Comme si des personnes préparaient sa chute ou sa disparition. Nous allons maintenant écouter ce qu'il a à nous dire ici. Il sera même interviewé à cause de ça. Écoutons. Merci, Seigneur. Merci, Dieu, merci, DJ. Ça me fait vraiment plaisir et ça me fait beaucoup mal. Mais avant de parler à mes femmes, excusez-moi, je me mettrai en genoux pour dire merci à un Seigneur. Parce que c'est le Seigneur Christ qui m'a sauvé et qui me sauve toujours. Excusez. Eh mon Dieu, mon roi, certaines personnes parlent, certaines personnes prononcent en ville à Bouboulet un mot. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que je t'ai donné ma foi, on raconte que je suis mort, mais je te donnerai ma vie éternelle, Père, parce que je t'appartiens. Je suis pour toi, mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mais tant que tu n'as pas décidé de mon sort, aucune personne ne pourra me tuer. Tant que tu n'as pas décidé du jour de la date de ma mort, aucune personne ne peut décider pour moi. On est pour eux-mêmes, Père. Papa, tu as dit dans ta Bible, compte tes chiffres. Tu donnes l'outil pour compter les chiffres, Père. Je ne maudis personne. Je ne maudis pas ces personnes qui l'ont fait. Mais Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme vous l'avez entendu, il a tout dit au travers de sa prière. Ça fait 2-3 jours que je ne dors pas. Mon téléphone ne fait que sonner. Il faut toujours décharger. On ne me fait que m'appeler, on ne fait que me dire des choses. Ah, vous voulez, tu es mort. Ah, vous voulez, c'est faux, tu es mort, tu caches. Regardez, je suis en train de parler avec vous. Les personnes sont en train d'appeler. Des personnes de partout appellent pour demander, je suis mort, je ne suis pas mort. Attendez, je mettrai. Attendez. Oui, allô? Oui, c'est Patrick. Bonjour, papa. Je ne suis pas encore mort. Papa, Dieu n'a pas encore décidé la mort de ton enfant. Je ne suis pas encore mort. Oh! Est-ce que vous voyez ce qu'il est en train de voir, même? Il est vivant déjà, les gens se disent qu'il est mort. Jusqu'on l'appelle même. Il nous montre même par son téléphone. Les appels des gens. Et ils, comment tu peux appeler mort? Ça m'étonne quand même. Yeah. Franchement, moi j'ai jamais vu ça. Écoutez encore. Vous demandez, je suis mort, je ne suis pas mort. Attendez, je mettrai. Attendez. Oui, allô? Oui, c'est Patrick. Bonjour, papa. Je ne suis pas encore mort. Papa, Dieu n'a pas encore décidé la mort de ton enfant. Je ne suis pas encore mort. Je ne suis même pas encore mort. Et puis de ce quoi? Attends-toi à moi parce que je viens chez toi comme ça. Je vais passer chez toi aujourd'hui. Au magasin, je vais passer chez toi. Hein? Voilà, je vais venir là-bas. Tu as compris? Papa, il faut raccrocher ton téléphone, tu nous vois tout à l'heure. Merci papa, sois béni. C'est pour dire tous mes amis, mes fans. Ça me fait mal.
Mais n'ayez pas peur, parce que Dieu n'a pas encore décidé la mort de votre artiste. Eh, mes frères et sœurs. J'ai dit tout à l'heure, mon Dieu, Seigneur Christ de Nazareth, on peut jouer avec sa vie. On peut parler de sa vie. On peut faire des histoires de sa vie. On peut dire des choses sur la vie, mais on ne peut pas parler de la mort. Ce qui est mort ne peut plus bouger. Un mort, c'est quelqu'un qui ne peut plus rien faire. Je ne peux pas oser. Mes femmes, excusez-moi, je ne peux pas oser m'amuser avec ma mort. Je peux m'amuser à raconter des choses, mais qui vivent. Mais je ne peux pas me tuer pour des bêtises. Je veux faire quoi avec? Qu'est-ce qu'il y a à Moulin n'a pas fait en Côte d'Ivoire, qu'on sait qu'il le faut? Qui sait qu'il le faut? Qu'est-ce que je recherche dans l'idée des femmes? Jamais. Je ne suis pas ce genre d'artiste qui cherche du buzz. Moi, je cherche la gloire de mon Seigneur Dieu. Je cherche la gloire de mes fans. Je cherche l'amour de mes fans. Non, tu es mes fans. Certaines personnes n'ont pas mon numéro. Sont dans des villes, dans des communes, pleurent. Parce qu'ils ont dit à Boubou est décédé. Je ne peux pas jouer à ce genre de jeu. Non. Dieu me voit. Et puis Dieu voit ce qu'on fait. Mais ceux qui ont fait, ils ne savent pas qu'ils ont tué un Satan, moi peut-être, qui m'empêchait de réussir, qui m'empêchait d'évoluer. Mais Dieu n'a pas permis que je meure, je suis sur terre. C'est qu'il est un miracle. Si c'est esprit, si c'est quelqu'un qui me guette, si c'est quelqu'un qui a du mal à me voir sortir, qui a du mal à me voir me débrouiller, que Dieu pardonne. Mais si c'est une connaissance qui est venue d'une autre connaissance, peut-être, que Dieu vous pardonne aussi. Mais mes frères, je ne peux jamais faire du buzz de ma mort, jamais de ma vie. Je ne suis pas ce genre d'artiste. Je vous dis bien, je ne suis pas ce genre d'artiste. Je suis un artiste toujours dans mon coin. Et je resterai toujours dans mon coin. Vraiment, merci pour tous ceux qui m'ont appelé. Je dis bien merci pour tous ceux qui m'ont appelé comme artiste, comme fan. Vous entendez? Est-ce que vous vous rendez compte que déjà il est vivant et les gens sont en train de dire qu'il est mort? Que ferez-vous à sa place? Que ferez-vous vraiment? C'est étonnant, regardez. J'ai appris, moi-même j'ai appris le conseiller que il y a un accident qui s'est fait faire. Peut-être la personne a peut-être une ressemblance à Boboulé. Mais même s'il a une ressemblance à Boboulé, que tu dis tu aimes à Boboulé, je pense que tu peux t'approcher des faits. Et regarder le visage du concerné mort avant de prononcer quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Mais il y a remarqué que les noirs, aujourd'hui nous les noirs, on ne veut jamais voir fond au fond et puis on raconte. Les gens parlent. Aujourd'hui c'est à la pluie, à Boboulé est mort. Ce n'est pas une bonne chose. Mort là, ce n'est pas bon. Quand même mort, c'est quelqu'un, ce n'est pas bon. Écoutez, je suis bien vivant. Regardez-moi tout ça là. Je dis c'est gênant. Regardez. Il y a des blessés, allez voir mon sang. Si l'homme. C'est long, ça a beaucoup l'air. Pardonnez pour l'amour de Dieu. Regardez Ivan Mix. Votre artiste a beaucoup l'air. Il est bien vivant. Et puis il vivra. Tant que Dieu ne décidera pas sa mort, il ne va jamais mourir. Mettez ça dans votre tête. Merci. Mes frères et sœurs, voici une triste réalité que nous avons, que nous venons de découvrir. Malheureusement, cette star-là est décédée quelques temps plus tard. Par accident. Et les gens devaient même l'amener hors du pays pour des traitements. Eh, mes frères et sœurs, vous avez entendu ça? Imaginez-vous même, vous êtes vivant. Et puis, on veut annoncer déjà votre mort. Comment réagirez-vous? Les réseaux sociaux, les rumeurs. Ou peut-être que ce sont des ennemis qui font ça. Peut-être qu'à un moment donné, il a décidé de ranger sa vie sur le droit chemin. Et c'est là maintenant, ses ennemis ont décidé de lui faire ça. Qui sait? Réagissez quand même dans la partie commentaire et essayons ensemble de comprendre ce genre de phénomène. Si ce n'avait pas été filmé, personne ne le saurait. Partagez cette vidéo et abonnez-vous. Ne manquez pas de regarder la vidéo qui apparaît ici et vous découvrirez encore d'autres choses. Vous serez même surpris. C'est parti.